Hello everybody, c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur mon Afro Libre. Aujourd'hui, on va parler du lavage à l'huile. Alors, dans cette vidéo, on va parler du lavage à l'huile. Et avant tout, hein, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà adopté la méthode du lavage à l'huile? Et si oui, dis-moi tout. Est-ce que ça te plaît? Quels sont tes résultats? Si ça te plaît, dis-nous tout. Comment tes cheveux ont réagi? Si ça ne te plaît pas, dis-nous aussi pourquoi. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Est-ce que tes cheveux sont secs? Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'huile partout par là? Aujourd'hui, c'est une vidéo avis, dans le sens où j'ai tellement de questions par rapport à ce sujet et je me suis dit que de chaque fois répondre aux gens, c'est pour ça que j'aime souvent YouTube. Tu viens, tu dis une chose et quand on te pose des questions, tu envoies seulement la vidéo et tu quittes dessus quoi. Alors déjà, il y a un certain moment, moi je comprends. En tout cas, si vous me suivez longtemps, hein, il y a certaines choses que moi, je ne cherche même pas à essayer, je ne cherche pas à tester. J'ai appris de mes leçons en voulant trop. Parfois, on fait toujours. Mais ça, c'est un proverbe très limité dans le sens où dans la vie, il faut en vouloir plus. Mais dans certains contextes, il faut tout simplement savoir si ce qu'on veut de plus là, c'est parce que on pense que l'herbe est verte ailleurs. Parce que vouloir à chaque fois changer de méthode, tu prends tes soins de tes cheveux de cette façon. Après, on dit telle façon, tu pas fait. Telle façon, tu pas fait. Dès qu'on sait, qu'est-ce que ça sous-entend? Il y a deux choses. Soit, justement, dont tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux. Parce que si tu sais prendre soin de tes cheveux, tu ne vas pas sauter de méthode en méthode. Tu prends une méthode, tu fais une semaine. C'est-à-dire, il y a certains gens sur cette terre, tu fais une semaine avec une méthode. Dès que l'autre sort, tu peux pas préférer. Comment est-ce que tu vas même pouvoir savoir si la méthode que tu as fait l'autre jour, ça fonctionne? Peut-être tes cheveux, c'est même ça qu'ils attendaient depuis. Mais tu as fait une semaine. Dès qu'on a dit notre méthode, tu as laissé l'autre là, tu es parti faire l'autre. Comment est-ce que tu vas savoir qu'une est adaptée à tes cheveux? Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que parfois, tu crois qu'il y a l'herbe est verte ailleurs. Parfois, tu as une méthode qui te va. Et dans ta tête, on a été mal éduqué, on n'a pas la stabilité émotionnelle, alors on a toujours cette tendance à ne pas savoir ce qu'on veut. Et on a tendance à croire que, oh, il faudrait que je fasse autre chose. Et ça fait en sorte que dès qu'on sort quoi, tu pas fait, etc. Et c'est déjà, il y a une chose que j'ai compris, c'est il faut qu'il y ait une certaine logique pour que moi ça m'arrange. C'est pour ça que je parlais de oui, il faut tester parfois, hein. Mais moi, il y a certaines choses que je ne ferai plus. Dans le sens où si ce n'est pas la logique, il n'y a pas une logique dedans dans la façon que moi je vois l'entretien du cheveu. Dans le sens où ce que je dis, ce n'est pas seulement la théorie, dans le sens où voici le résultat. Et j'ai une panoplie de personnes qui m'envoient des photos tous les jours. Il y a même déjà des personnes qui ne sont même pas inscrites à un de mes programmes. Que seulement le fait de regarder mes vidéos, les conseils que je donne dans mes vidéos, ils ont des résultats exceptionnels. C'est pour ça que je dis toujours ici que je ne sais pas comment je peux faire toutes ces vidéos. Certains gens viennent me poser des questions bêtes en inbox. Salut, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu que tu m'aides à prendre soin de mes cheveux. What? Toutes les vidéos que je fais, je poste là. Assieds-toi et tu écoutes ces vidéos et tu appliques. Dans le sens où toutes ces vidéos, c'est vraiment ce que je pense. Parce que ne pensez pas quand vous allez prendre mon programme, il y a un secret que une poudre, un produit que je vais vous dire d'aller acheter tout à coup dès que vous allez mettre sur vos cheveux, bam. Non, si déjà vous n'êtes pas satisfait avec la façon dont je vois l'entretien du cheveu crépus sur cette vidéo, alors vous ne serez pas satisfait avec mes programmes. Et là, ne prenez donc pas. Si vous voyez déjà que, oh, l'approche qu'elle a, moi, ça m'intéresse, alors mes programmes sont tout simplement le niveau supérieur à YouTube. C'est tout. Mon YouTube, toutes mes vidéos, je peux dire que c'est la base. C'est pour ça que toutes mes clientes, il y a certaines choses, quand je parle avec, je vois qu'elle ne sait pas. Je lui ai envoyé une de mes vidéos.
parce que c'est la base. Et maintenant, pour celles qui veulent plus et qui veulent surtout aller beaucoup plus vite, parce que c'est très souvent ça, parce que avec mes vidéos, ça peut te prendre le temps pour toi assimiler ça, mettre, regrouper. Mais avec un meilleur programme, tu vas beaucoup plus vite de un, parce qu'il y a ça de manière beaucoup plus structurée et bien ciblée. En dehors de ça, il y a aussi le fait qu'il y a mon accompagnement en direct. Et donc, c'est ça qui fait le gros plus de mes formations, de mes programmes. En dehors de ça, YouTube, c'est la base. Alors, je ne vais pas faire certaines choses que je ne vois pas un sens pour moi. C'est pour ça que je dis, bah, si pour certains, ça fait un sens et qu'ils essayent et qu'ils sont satisfaits, c'est sublime. Mais je vous dis toujours une chose. Regardez les résultats des gens sur le temps. Est-ce qu'une personne va venir te faire la vidéo de « Oh, l'huile, le rinçage à l'huile, c'est top, c'est top, c'est top. » La vidéo prochaine, la personne te fait un autre soin avec différentes méthodes, différentes formules. Pourquoi c'est si top et tu laisses? C'est ce que je me pose toujours cette question. Pourquoi venir sur une vidéo, dire à quel point une méthode est top, 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 mais la semaine prochaine, la personne vient te faire une vidéo et dit « Oh, vous savez, je veux chercher une nouvelle façon de prendre soin de mes cheveux, mais… » Comment tu laisses ce qui est top? Alors, moi, pour répondre à tous ceux et celles qui me demandent qu'est-ce que j'ai à tester, non, je ne l'ai pas fait et je ne... On dit jamais, jamais. Même dans la phrase, on dit jamais, jamais, on a déjà dit jamais. Donc, vous voyez qu'on peut dire jamais. On ne dit pas jamais, mais moi, je ne me vois pas en train de faire ça parce que pour moi, c'est... Ça n'entre pas dans la logique de comment moi je vois l'entretien du cheveu à texture. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont plus que satisfaites de ça. Et il y a donc beaucoup de vidéos ici sur YouTube. Et des gens qui sont même pionniers de cette méthode et tout. Donc, allez vers ces gens-là. Et vous aurez beaucoup plus d'informations que de vers moi. Parce que vu que je n'ai pas appliqué quelque chose, je ne peux pas vous dire... Oh, si j'aime ou pas. Mais déjà, a priori, moi, ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de savoir, de tester. Alors, je ne vais pas tester. Et si vous voulez donner des informations par rapport à ça, allez tout simplement vers des personnes qui le font, qui l'utilisent, qui vivent, en fait, ce qu'ils sont en train de dire et prenez des informations d'eux. Parce qu'en dehors de seulement... pourquoi je dis que c'est aussi un, comment dire, un lifestyle? C'est pour ça, par exemple, le Chebé, je n'ai jamais testé et je ne me vois pas en train de tester. Sauf si j'achète une crème capillaire où il y a comme ingrédient le Chebé dedans, moi, ça ne me dérange pas. Mais cette méthode que j'avais vue, on met sur les cheveux, on natte et on vit avec le Chebé sur sa tête pour ces 3 mois. Moi, je ne ferais pas ça parce que mon lifestyle ne m'intéresse pas à faire ce genre de choses et à dormir avec le Chebé sur la tête. Alors, je n'ai même pas, à un moment donné, voulu savoir on fait ça comment. Mais il y a des gens qui, dans leur lifestyle, ça ne leur gêne pas. Donc, vous voyez qu'en dehors de faire ce qu'il y a à l'entretien, même proprement dit, il y a aussi après, ce qui suit, le lifestyle. Par exemple, moi, j'aime porter mes cheveux lâchés. C'est mon lifestyle. Il y aura d'autres qui voudront plutôt des coiffures. C'est leur lifestyle. Alors, ceux-là auront... Même comme ce que je vais dire, ce n'est pas vrai. Je voulais dire, ceux-là auront plus de conseils à vous donner que moi par rapport à si vous voulez vous tresser au quotidien, mais c'est faux dans le sens où... sauf si vous voulez aussi que vos cheveux soient comme les leurs, puisque imagine, tu suis quelqu'un qui se coiffe toujours. Maintenant, tu dois regarder l'état de leurs cheveux. Est-ce que tu veux que tes cheveux finissent comme ça? Parce que dans la vie, on dit, qui est-ce que tu écoutes? Si tu... Écoute quelqu'un qui a des cheveux abîmés, pas semés, des tempes dégarnies et qui se tresse tout le temps, des telles coiffures, machin. Tu peux aussi faire, voilà ce que tu vas finir par devenir. Et alors, pour moi aussi, en dehors de prendre soin des cheveux, il y a aussi le lifestyle. Et moi, déjà, voir mes cheveux huileux comme ça, I don't like it. Mm-mm. Et d'autres vont me dire, oh, c'est pas toujours huileux, c'est quand tu fais mal. Bref, comme je dis, ce n'est même pas ça la seule raison. Moi, déjà, l'idée, la logique, moi, ça m'intéresse pas. Donc,
C'était un peu une vidéo pour répondre à tous ceux qui demandent quel est mon avis. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, j'ai demandé à toutes celles qui ont déjà essayé de dire leur retour dans les commentaires. Comme ça va aider toutes celles qui se demandent est-ce que je devrais essayer. Comme ça, vous allez les voir dans les commentaires. Les gens vont vous dire si ça les a plu, leur histoire par rapport à ça. Leur retour, et si donc ça vous intéresse, bah, vous allez tout simplement aller faire et donc aller regarder les pionniers de la méthode en question et inspirez-vous de s'ils ont des programmes, prenez ça, des coachings, prenez ça pour en savoir de plus en plus. Donc, c'est la fin de cette vidéo et pour toutes ceux et celles qui ont regardé jusqu'ici, moi je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est justement une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous explique un peu en profondeur mon idéologie, ma façon, mon lifestyle lorsqu'il s'agit de l'entretien du cheveu afro. Donc, le lien se trouve dans la barre de description. Et vous allez recevoir la première vidéo de ce coaching offert de manière instantanée. Donc vous mettez votre, vous cliquez sur le lien du coaching offert, vous mettez votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert qui parle justement de comment gérer les cheveux durs. Parce que moi aussi j'avais les cheveux durs. Je sais ce que c'est que de casser tous les peignes de la maison jusqu'à ta mère te pousse à te défriser parce que bon, tes cheveux cassent tous ces peignes, hein? Voilà, c'était tout pour moi et on se dit à la prochaine et bye bye.